Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo Girl Talk. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait, ça m'avait trop manqué. Et aujourd'hui, on va parler des relations amoureuses. Encore une fois, on dirait que ma vie est autour de l'amour. Mais il y a tellement de problématiques et j'adore parler d'amour. Moi, je suis une amoureuse de l'amour, vous savez pas à quel point. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite d'abord à vous abonner si c'est pas encore fait et à liker la vidéo si ce genre de sujet vous intéresse, vous plaît. Comme ça, bah, ça me motive à faire plus de Girl Talk et surtout commenter, parce que le fait que vous interagissiez avec moi, ça me dit ok, ce genre de vidéo là ils aiment bien. Et aussi, si vous vous demandez d'où vient ma magnifique pépé, elle me vient de chez Cynosure Air. C'est une 24 pouces, elle est trop belle. C'est une lace frontale. Les informations de toute façon seront en barre d'infos. Si j'ai un code promo, tout ça, ça sera en barre d'infos. Bref, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les gars, j'ai mis ma perruque là, je l'ai pas collé. Donc en fait, ça c'est des body waves que j'ai reçus de chez Cynosure Air. Cynosure Air, j'ai l'habitude de travailler avec eux. La lumière, je suis désolée, franchement, je comprends pas ce qui se passe. Là, c'est les boucles naturelles. Hein. Donc ouais, je voulais faire un girl talk et vous parler un peu de quelque chose là, toujours par rapport au love. J'ai l'impression que la meuf elle parle que de ça, mais je vous promets que les prochaines fois, je vais vous parler déjà de l'argent et tout. Ça fait des semaines que je vous dis ça et que je le fais pas. Je voulais faire ce girl talk parce que j'ai trop de copines qui vivent ça, et je me dis non, c'est pas possible en fait. Alors le sujet c'est il ne t'aime pas, alors arrête de forcer. Au bout d'un moment, je veux bien être là pour réconforter, vous-même vous savez, votre copine qu'on réconforte tout le temps mais qui reste avec le même gars alors qu'il te montre par A plus B qu'il ne veut pas de toi, en tout cas qu'il ne sait pas t'aimer comme toi tu le voudrais. Donc je vais vous parler d'un cas d'une amie et c'est ça qui m'a inspirée à faire cette vidéo là. Et franchement ma chérie, si tu vois la vidéo, elle était dédiée et tu sais déjà tout ce que je pense. En gros, cette fille-là, elle est magnifique. Franchement, ma copine, elle est très belle. Elle est en couple avec un gars depuis 8 ans, tu vois. Et le gars, il lui fait toutes les misères du monde. Vous savez très bien, les mecs, hein, trompés par-ci, trompés par-là, parler mal, etc. Et la fille, elle supporte parce que, bah voilà, c'était son premier amour. Et elle souffre et du coup, à chaque fois, elle me racontait bah, un peu ce qui se passait. Ils ont un enfant ensemble et tout. Sauf que... au fur et à mesure de ce qu'elle me racontait, moi je me disais, mais alors, qu'est-ce qui te fait rester dans cette relation? Et je pense que c'est le cas de beaucoup de filles. Vous êtes là dans une situation depuis des années, vous vous souvenez même pas de pourquoi vous êtes encore dans cette situation-là. Et c'est ça qui est horrible. L'amour, pour moi déjà, ça suffit pas pour commencer. Parce que s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de compréhension, s'il n'y a pas de complicité, pour moi l'amour ça suffit pas. Tu peux croire que tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas. En plus ces deux-là, ils ont rien à voir. Franchement, ils ont rien en commun, ils ne partagent rien les deux. Et le mec lui montre qu'il ne la respecte pas. En fait, moi, je sais pas si c'est parce qu'il veut pas de toi et qu'il est lâche de te quitter et surtout qu'il y a un enfant entre vous, ou c'est parce que il veut pas te faire trop de mal et pas endosser justement la responsabilité de lui prendre la décision de te quitter. Sachant que même avec toi, il fait ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire? Et donc moi, j'essaie de lui dire, bah voilà, qu'est-ce que vous avez en commun? Tu te raccroches à quoi et tout? Et elle me dit, mais rien en fait. Ça m'a amené à réfléchir et je me suis dit, mais les filles, arrêtez de vous plaindre alors. Et je sais que c'est super dur ce que je vais dire et peut-être que je vais me faire tuer dans les commentaires. Mais ça fait des années que tu vis la même chose. Des années que tu sais que, voilà, ça... la personne, elle est comme ça. Sauf que toi, c'est pas ça que tu veux pour ta vie. Alors pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes dans une situation où tu sais pertinemment que tu ne vois pas ton futur dans cette situation là? Souvent la réponse que j'ai c'est non mais il faut qu'il fasse des efforts, faut qu'il change. Mais tu ne peux pas changer quelqu'un en fait. Les filles, retenez ça. Si quelqu'un veut changer, la personne va changer d'elle-même. Mais on ne change pas quelqu'un, que ce soit par amour, pas par amour. Rien, on ne change pas quelqu'un. C'est pas toi qui va décider que lui, voilà, à partir d'aujourd'hui, il va devenir l'homme de tes rêves en fait. C'est pas possible. Et c'est la métaphore que j'avais... utilisé la dernière fois quand je parlais avec elle, je lui ai dit, imaginons que moi, j'adore les chats. Voilà, j'adore les chats. Les chats, franchement, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je veux pour ma vie. Mais malheureusement, je tombe amoureuse d'un chien. Malgré tout ce que je vais faire, malgré tout, le chien ne deviendra jamais chat. Parce qu'il est par nature chien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux pas demander à quelqu'un, et je parle pas de mauvaise ou de bonne personne, parce que je pense qu'une personne peut être mauvaise pour quelqu'un et être bonne pour l'autre. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est que un mec, c'est pas forcément que c'est un bâtard avec toi. C'est juste que il te correspond pas. Et que toi aussi tu lui correspond pas. Mais c'est que faut que vous rendiez à l'évidence que vous êtes pas fait pour être à deux. Je sais pas si ce que je dis c'est clair. Mais rester dans des situations où t'es là, tu souffres. Où tu sais que la personne elle correspondra jamais à ce que toi tu recherches. Où tu sais que vraiment vous avez pas du tout les mêmes attentes dans une relation. Pourquoi tu te forces à t'infliger ce genre de déception continuelle et frustration? Parce que à part qu'on est dans un mur, je vois pas l'intérêt. Ensuite, je voudrais aborder un autre point, c'est le fait de ne pas se respecter soi-même.
Parce que je sais que c'est des mots un peu durs les filles, mais c'est un peu le cas. Vous ne vous respectez pas vous-même. Parce que si toi tu ne te respectes pas, comment tu veux que la personne avec qui tu es, entre guillemets, te respecte? Si tu acceptes des choses pour ta vie que normalement jamais tu aurais pu accepter et que tu ne souhaites pas perdurer dans ta vie, comment tu veux qu'on te respecte en fait? Je vais brancher mon fer à trois têtes, on va se faire des belles petites boucles. Si tu acceptes, voilà, toutes les tromperies, les filles, on se connaît. Tu vas péter ton câble, mais c'est encore toi qui vas revenir vers lui. Le mec, c'est lui qui te fait du mal, mais c'est encore toi qui va revenir, qui va lui dire non, mais tu vois ce que tu m'as fait, mais voilà, je t'aime, on va faire des efforts. Alors que normalement, si un mec, il t'a fait du mal et qu'il te considère un minimum, il va essayer d'arranger la chose. Mais ça encore, c'est d'autres contrées obscures. Moi, ça me fait tellement mal au cœur parce que c'est un cercle vicieux, les filles. Plus vous acceptez des choses inacceptables, plus ils vont vous faire des dingueries en fait. Si mon chéri, j'accepte qu'il me parle comme à la dernière des merdes, pourquoi il va me parler bien? C'est comme ça. Et c'est pareil dans tout. Dès que vous faites un truc. Ils vous engueulent deux minutes et qu'ils disent oh mais franchement si tu recommences je vais partir et que vous recommencez ils sont encore là, franchement si tu recommences je vais partir. Mais qui a peur de vous perdre en fait? Qui vous craint un minimum? Personne. Et ça marche dans tous les domaines de notre vie. Les filles, moi je crie un peu parce que c'est le genre de truc qui me touche. Surtout c'est quand c'est des filles, elles sont tellement belles, elles ont tellement de charisme, elles ont tellement à offrir à un homme et un homme a tellement à gagner en étant avec elles. Là je parle vraiment hétérocentré les gars hein, mais ça s'applique à toutes les orientations. Mais je suis pas dans le jugement parce que quand tu es dans une situation, dans une relation, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et il y a des choses qu'on accepte que une fois qu'on en est sorti, on se dit mais comment j'ai fait pour accepter ça? Donc franchement les filles, si je peux vous passer un message vraiment primordial, c'est de vous choisir avant tout. T'es avec un homme qui n'a jamais fait aucun effort pour te prouver qu'il t'aime, qu'il te mérite. En fait vous, vous vendez moins cher les filles. Vous vendez mais tellement discount. Et c'est pour ça qu'on vous traite de manière discount. Faut que votre homme, il sache qu'il mérite de vous avoir. En fait, il voit même pas ta valeur parce que t'acceptes tout ce qu'il te fait, toutes les grâces, il va te cracher à la gueule, tu vas accepter, il va te piétiner, tu vas accepter. Donc comment tu veux demander à quelqu'un envers qui t'es complètement docile, t'acceptes tout, de te respecter, de te considérer, de t'aimer comme tu le veux? Ne vous plaignez pas les filles parce que c'est des situations que, pas que vous avez créées, mais en quelque sorte. Parce que si tu vois bien que le gars te correspond pas, tu forces, tu dis oui, il y a l'amour, tu forces. Donc au bout d'un moment les filles, arrêtez de pleurer, mettez votre situation devant vous et dites-vous, est-ce que je veux ça pour ma vie? Est-ce que, voilà, je veux mourir en me disant, j'ai été frustrée toute ma vie? C'est souvent nous qui essayons de sauver un couple alors que ce ne sont pas forcément nous les fautives, entre guillemets. Ça me fait tellement mal. Peut-être que j'exagère, mais moi c'est ce que j'ai observé. Quand tu fais la meuf qui est obsédée par son gars, qui ne vit que pour lui, il n'a plus aucun intérêt pour toi. C'est devenu facile. Donc pourquoi il va te chérir? Tu es déjà là. Je n'ai à faire aucun effort pour t'avoir. Donc pourquoi j'aurais même peur de te perdre? Parce que quoi que je fasse, frère, t'es encore là. Et il faut que vous puissiez instaurer dans votre vie, que ce soit en couple ou même dans vos amitiés, cette notion-là, cette notion de valeur. Et bien on se met dans des situations où on est enfermé dedans. Et je pense que c'est même pas forcément l'amour qui nous fait rester. C'est non seulement l'habitude, mais en plus la peur. Et j'ai fini par le comprendre. Parce que on a peur de ne pas pouvoir être aimé comme on le souhaite, de ne pas trouver quelqu'un pour nous épauler. Mais sachez que vous soyez seul ou dans la situation où le mec vous respecte pas, ne vous considère pas, ne vous chérit pas, c'est largement mieux d'être seul. Et faut savoir que ce que lui il a vu en vous là, et puis il est allé chez vous, c'est que d'autres hommes vont savoir le faire, d'autres hommes vont connaître votre valeur, et il faut que vous ayez confiance en vous. Il a pas su se comporter correctement avec moi, mais sauf que moi j'ai besoin de quelqu'un qui se comporte correctement avec moi. J'ai besoin de me sentir aimée. J'ai besoin de me sentir respectée, besoin de me sentir valorisée. Vous êtes dans des situations, les filles, où vous êtes avec des gars qui vous voient en décor, en plante verte. Sachez vous faire entendre. Sachez aussi être cohérente avec vos paroles. Parce qu'on vous connaît, on nous connaît. Nous, les filles, on a la grande bouche. Mais souvent, quand il faut agir, il n'y a plus personne. Vous parlez. Mais le gars, au bout d'un moment, il sait que toi, tu vas rien faire, gars. Donc pourquoi je vais te respecter? Pourquoi je ferai des efforts pour toi? J'ai fini hors caméra parce que ma caméra elle m'a lâché. Vous avez vu un peu, c'est pas super compliqué. J'essaierai de vous retrouver le lien, barre d'infos, je vous le mettrai, de où j'ai acheté mon fer à trois têtes. On va vous respecter à la hauteur du respect que vous avez pour vous-même. Occupez-vous, soyez des femmes indépendantes. Surtout ne montrez pas que vous avez besoin de lui. Faut que cette personne-là soit un plus dans vos vies. Faut pas que ça soit toute votre vie. Faut pas que votre vie elle tourne autour de lui. Et que voilà, vous vous disiez que voilà, sans lui, eh ben votre vie elle sert à rien. Pas une personne qui vous met encore plus des bâtons dans les roues pour avancer. Parce qu'on se connaît. Quand on est en embrouille avec notre gars,
ça va pas, ben on est déprimé. Du coup, on a envie de rien faire de la journée. La vie, elle est archi courte. Tu sais, on compte le nombre de temps que t'as passé à être déprimé à cause d'un garçon qui ne te respecte pas. T'aurais pu faire combien de choses, en fait, avec ce temps-là que t'as perdu? Bien sûr, on peut pas forcément à 100% dire que c'est du temps perdu parce que c'est des leçons. Mais vous avez compris le fond de ma pensée. J'aime trop les boucles. Bon, franchement, les filles, soyez des femmes, mais indépendantes. Que cet homme-là, en fait, il se dise, il faut que je fasse tout pour la garder auprès de moi. Pour celles qui ont des enfants, si demain votre fille a un homme qui la traite comme ça, est-ce que vous accepteriez qu'elle reste avec lui? Pourquoi t'acceptes pour toi l'inacceptable pour ta fille? Parce que ta fille, tu l'aimes. Aime-toi autant que tu aimes ton enfant. Je pense que tout part de là, de l'amour pour soi-même, de la considération. Et je sais encore une fois que c'est quelque chose qui est assez facile à dire. Mais une fois qu'on est dans la situation, on a du mal, on est désemparé et on se laisse un peu dépasser par les événements. Et quand c'est des situations qui durent depuis des années et que tu t'assois, tu fais le bilan, que t'es plus malheureuse qu'heureuse, pensez à vous avant tout, à l'amour que vous devez vous porter, qui doit être inconditionnel. Et dès quelque chose entache votre confiance en vous, vous fait sentir mal, partez. Ne subissez pas ça, ne subissez pas votre vie, ne passez pas à côté de votre vie, car vous méritez le meilleur. Il faut que vous puissiez l'entendre, ça, les filles, et le comprendre et l'intégrer. Je mérite le meilleur. Si t'es pas capable de m'offrir le meilleur, basta così. Adios, arrivederci, ciao, sayonara. Bref, au revoir en fait, je ne veux plus entendre ce genre de choses. Oui, ça fait des années que je suis avec lui, ça fait des années qu'il me fait souffrir, mais je reste. Tu peux vivre des choses difficiles dans un couple, dans une relation amoureuse, bien sûr, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, tout se passe bien. On a chacun nos problèmes. Mais tu dois être plus heureuse que malheureuse. Cette relation ne t'apporte même pas une once de bonheur, pars. Et autorise-toi à être heureuse, autorise-toi à vivre la vie que tu veux vivre. Je pense qu'à partir du moment où tu t'aimes et où tu n'acceptes pas de bullshit dans ta vie, personne ne peut se permettre de faire des bullshit parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas leur place dans ta vie. Il faut qu'une place dans ta vie soit méritée, faut que ça vale de l'or. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop brouillon, mais je pense que vous avez compris le cœur et l'essentiel de ce que je voulais vous dire. J'espère aussi que ce message va toucher au moins une personne pour l'aider, lui faire ce petit déclic. Et en parlant de déclic, je sais qu'on a des copines ou bien nous-mêmes on est dans ce genre de cas-là, on leur parle, votre entourage vous parle, mais on aura beau parler, tant que cette personne, vous-même, vous n'êtes pas décidé à vous dire aujourd'hui, je prends la décision de me choisir, je prends la décision de vivre pour moi, je prends la décision d'être heureuse dans ma vie, personne ne pourra faire ça à votre place. Vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin. Moi, je peux parler pendant des heures, vous donner 10 000 conseils, mais si toi au fond, tu sais que t'es pas prête à quitter cette situation, tu vas toujours rester dedans. Et je sais que c'est difficile de mettre un stop, de faire voler en éclat entre guillemets tous ces espoirs, mais faut parfois savoir se rendre à l'évidence. Donc voilà mes amours, j'espère que ce petit girl talk vous aura plu, ça faisait trop longtemps, ça m'avait vraiment énormément manqué. Passer ce genre de moment chill avec vous, où j'essaye de vous donner des petits conseils, faut pas croire que ma vie est parfaite, hein. Pas du tout. Moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur ma chaîne. Mouah.